Pas de soucis. Putain, je vais leur fatiguer à ce moment-là. Ouais, c'est. Je suis en manque de sommeil en ce moment. Ça va aller. Bon, allez, des Pas de bisous. soucis, merci d'être passé. Tchuss. 8, voilà. Tac tac. Alors, du coup, on revient. Hop. Tac. Alors, je me revoici, me revoilà. Là, on est bon, on est en loser round 8, si je ne dis pas de bêtises. Et on va enchaîner directement avec Shadra et Mugiwara. Mugiwara, du coup, qui vient du winner bracket. Et Shadra, du coup, qui remonte petit à petit le loser bracket. Pour le coup, là, je suis plus d'avis de supporter. Enfin, moi, j'aime bien le gameplay de Shadra. C'est trop, le gameplay trop où tu jettes beaucoup d'armes, j'aime beaucoup. Et voilà, donc j'ai envie de voir ça. Après, on aura Azor et Fezaru. Enfin, Delta et Fezaru, du coup. Donc voilà. On va voir qui va gagner. Hein. Shadra qui met une bonne pression là dès le début. Ouh, bien joué de côté de Mugiwara. Il a bien attendu. Très propre, vraiment, vraiment. Vraiment très bien joué de ce côté-là. Je vous mets le petit replay avec la petite glissade de Mugiwara du coup qui a bien puni et qui a kill là-dessus. Hein. Ça lui a permis de kill. Et vraiment propre. Hein. Genre là on le voit attendre, là tac, et voilà il met sa signature très jolie. Hein. Ah ça tue, ça tue, ça tue. Holy shit. Mugiwara justement je connaissais pas du tout, c'est un gars du clan de Pierre Chat du coup. Et bah, il vient du winner, il joue très bien. Genre là tu vois, genre il fait des trucs comme ça, c'est vraiment très propre, il joue vraiment bien. Et c'est un 2100 elo je crois. De ce que, ouais, de ce que m'avait dit Nicolas, il était 2100. Il avait regardé sur Ranking Brawler et bah il gère très bien son tournoi, hein, très bonne position, il est très bien placé là. Il joue contre des bons joueurs et il se débrouille très bien. Donc, belle perf de sa part en tout cas. Ça, ça va tuer. Ouais, ça tue. Ça fait des jetés d'armes, ça se passe bien. Avantage des armes et avantage de la vie, il est que en jaune hein, pour l'instant. Shadrach est désavantagé. En tout cas, maintenant je pense avec les Scarlet qu'on a eu là, il y a des maps qui vont éviter. Hein, parce que t'as le clan de Pierre Chat là, avec Mugiwara et Pierre Chat justement, qui ont pas mal déroulé sur leur map. T'as l'impression que c'est leur map, celle où t'as les trois plateformes là. Ils ont vraiment déroulé là-dessus. Voilà, beaucoup de NR au niveau de la Rocket Launch. Shadrach, faut qu'ils finissent là. Voilà, faut qu'ils finissent. Cicero, Passero. Si le throw a été fait, ça a été puni, il a attendu de récupérer l'arme, là ça tue. Bien joué de sa part. Je sais pas, il le domine et... Ouais, mais il s'est fait punir hein, sur Brawlhalla, ça peut vite faire le retournement de situation, ça peut vite être fait. Tu vois la Shadra du coup qui revient un peu au score quand même. Et est-ce que ça va durer? Pour l'instant il a plus d'armes. C'est bon, c'est bien Mugiwara, ce qu'il fait c'est bien, il le laisse pas avoir d'armes, il sait qu'il fait beaucoup de throw d'armes Shadra, donc il le laisse pas faire. Là il l'a récupéré et là il va commencer à y aller. Hein. Ça va y aller avec des downs, voilà, jeté d'armes, très propre, il arrive quand même à remonter, très risqué. C'est assez serré là, vraiment le match est serré. Hein. Je pourrais pas vous dire qui va gagner. Ouh, ça aurait pu passer. Ça c'est bien joué de sa part, le throw aussi très bien joué de sa part. Et ça tue. Victoire de Mugiwara, match très serré, vraiment très serré. Et très très propre. Vraiment le match insane. On va passer en mode studio, je vais mettre les points pour Mugiwara. On est à 1-0 du coup. Et du coup BO3. Hein. La loser final on la fera en BO5 du coup si ça vous va. Et sinon on sera le reste en BO3. Tac tac. Alors, j'attends la room et puis après on va switcher. Hein, pardon. Ah non, mais non, qu'est-ce que je suis con? Oh, j'étais trop de la merde. Non, on est toujours dans la bonne room en fait. J'ai cru que le match était fini, mais non, on est toujours sur la même. Donc ça va être parti. Je regarde pas le chat parce que, bah, en tournoi, on peut y avoir des réactions un peu inappropriées. On en a eu tout à l'heure de la part d'autres joueurs. Et donc, je laisse le chat comme ça, ça me permet de rester concentré sur le match. Et voilà. Donc 1-0 pour Mugi. Et on va voir si Shadra va remonter ça. Très joli skin de Shadra. En rouge, comme ça, très propre. 3, 2, 1, ouais, ça fait bailler, hein, pardon.
On voit Sadra qui met beaucoup de light. Hein. Toujours son jeté d'arme en diagonale quand il est en l'air, ça passe bien. Mais voilà. Ça tente de punir les grains de pomme. Hein. Ça punit beaucoup les grains de pomme du côté de Shadra. Du coup, pardon, maintenant qu'il n'y a plus, je vais pouvoir augmenter le son du jeu, pardon. Voilà, je vous augmente ça. Si le son du jeu est bien là, vous n'hésitez pas à me le dire. On va aussi augmenter le son de la musique du jeu. Voilà, ce sera peut-être plus agréable comme ça. C'est juste vu qu'on était deux casters, c'est mieux d'entendre les deux personnes parler, mais là ça devrait être bien niveau son. Ouais, là je suis en vrai, je sais pas dire qui va win. Shadra, pour moi, niveau elo et le connaissant, je le mettrai un petit peu avantage sur lui. Mais Mugi, il fait une très belle perf là, il joue très bien, je trouve. Regarde, tu vois là le sider qui est passé. Regarde ça, ça c'est super propre ce qu'il vient de faire là. Dommage, ça a pas tué, mais c'était très bien joué de sa part. Ah, oh, dommage, la plateforme qui a pas été à son avantage. Ah, c'est deux fois que ça lui arrive. Hein. Deux fois que ça lui arrive. Hein. Vraiment. Wicked sick. Ah, il a vraiment pas de bol. Hein. Holy shit. Ah là 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 là. Aïe. Et la signature qui a touché, le ground pound qui touche. Là, faut qu'il punisse. Voilà, très propre. Est-ce que ça tuera? Ah, ça tuera. Très bien joué de sa part. Il a réussi à punir là-dessus. Alors qu'il a eu deux petits fades, il a réussi à revenir là-dessus. Hein. Bah du coup avantage pour Shadra. Ah bien joué. Oh très, oh, là le punish très propre. Vraiment il a bien gardé la distance. Pff, ça a failli passer une deuxième fois, ça il l'a eu au premier round. Ah ça va tuer. Dommage. Victoire de Shadra qui a réussi à gimp deux fois et qui a très bien joué. Vraiment là c'était... C'était assez serré, mais il a failli y avoir des punishes des deux côtés et c'était vraiment propre. Des animations, donc. Il a pris un skin avec des animations. Ouais, c'est sûr. Ah là là. Grippin, tu veux dire son ordi Son ordi qui tient pas? Du coup, 1-1, on est on fire des deux côtés. Ça va jouer sur la dernière manche et on va voir comment ça va se passer. Dernière image, du coup. Alors, c'est parti, on va commencer. 3, 2, 1, brawl. Je crois que Shadra, si je dis pas de bêtises, il est NGC. Hein. N'hésitez pas à me redire s'il est bien dans la structure NGC Shadra et je rajouterai sur le stream. D'ailleurs Machete il est PGS si je dis pas de bêtises et pareil. Je rajouterai aussi après. Project Conqueror. Swatage, Orc GP, Swatage je le mettrai aussi après. Parce que j'ai oublié. Salut Rake. Toi t'étais entré au tournoi toi. Je t'ai pas vu, soit t'as été DQ, soit c'est t'as été éliminé peut-être. Voilà, il y a un là, c'est le dernier fight. Ouais, t'as été décu, ça marche. Ouh, allez, petit lui, très bien joué de la part de Swata qui va éliminer sûrement. Ouais, qui élimine là-dessus. Très bien joué. Je mets le petit replay. Le petit throw qui est bien passé, vraiment là, nickel. Dans la diagonale. Voilà. Voilà, et ça tue. Bien joué la signature du côté de Mugi. Est-ce qu'il va le finir? Oh, très propre. Le fake. Celle-là, il a fait beaucoup, Mugi. Hein, et ça s'est passé une fois. Mais Shadra, je pense, tu lui fais un truc une fois. Il va le retenir. Il va pas faire la deuxième erreur. Il va punir la Gravity Cancel. Non, ça punit pas. Ça va remonter. Ça teste des signatures. Le Grand Punk a fait passer. Belle punition de la part de Shadra. Est-ce que ça tue? Ça tue pas. La recovery qui a touché. Ça, c'était vraiment du bol pour le Mugi. Ah, ça a pas fait le. Sider, attention, ouais c'est bon, Sider, voilà, là il le fait, est-ce que ça va suffire pour le tuer? Ça suffira pas pour le tuer, le Grand Pound qui touche et qui tue, bonne avance quand même de la part de Shadra, Mugi du coup qui a l'avantage des armes mais qui a plus beaucoup de vie, oh là il a plus de vie, ouais il a bien remonté, est-ce que ça tue? Non,
ça finit. Ouais, là, ça finit. La punition, là. Il a trop grid, Mugi. Il s'est fait punir. Bien joué. Les NR qui passent. Les NR qui passent. Triple NR qui est passé, là. Là, va falloir qu'il fasse un petit 0 to death. Pas un 0 to death, non, il est dans le rouge déjà. Mais voilà. Les nerfs ont l'air de passer, il faut qu'il continue. Il a plus de recovery, il le sait. Est-ce qu'il punit? Non, il a pas réussi à punir. Là, il va essayer. Waouh, très bien joué de la part de Mugiwara en tout cas. Là, on est sur le dernier match, donc c'est assez serré. Avantage pour Shadra, mais il a pas d'arme. Là, c'est passé, c'est bon, il prend les dégâts à Shadra. Les nerfs qui passent. Quadruple nerf qui passe là. Ça met pas mal de dégâts, ça l'a mis dans le jaune. Ah, ça va passer. Un petit throw. Non. Recovery. Ça, c'est bien joué. Le throw qui est pas passé. Il a plus d'armes là, faut faire attention. Il peut vite se faire retourner. Voilà, il peut très vite se faire retourner quand il a pas d'armes contre la Rocket Lance. Ça va être dernier match. Est-ce qu'il va punir? Non. Petit downlight. Voilà. Dimesick, je savais qu'il allait faire un truc comme ça. Et ça va tuer. Victoire de Shadra du coup. Sur le fil. Vraiment match très tendu. Ça s'est joué à rien. Vraiment là, ça s'est joué à rien le match. Il n'y avait pas d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Mugiwara qui a fait une très belle performance sur ce tournoi, vraiment. Joueur que je connaissais pas du tout. C'était vraiment, vraiment insane le match. Très propre, des deux côtés. Et victoire du coup de Shadra qui avancera dans le bracket. Hop. Alors je vais juste mettre ça, je vais faire un petit mode transition. Après on va aller spect Fezaru. J'ai juste préparé l'overlay pour être tranquille. J'attends d'avoir la room et puis on va attaquer là-dessus.